elles peuvent venir à la fois. Ok, okay. Troisième étage, tu vois. C'est nous qui sommes au quatrième, tu m'entends là. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est ta chambre, s'il vous plaît. Quand tu te laves là, tu mets le pied là-dessus avant de partir pour ne pas glisser par terre. Tu prends ceci pour suivre. Ceci, le visage et la main. Voilà, l'eau là, c'est pour toi. Tu peux boire. D'accord? Aussi. Il y a l'eau chaude. Tu passes comme ça, tout sera chaud. Moi, je ne bois pas l'eau, mais tu peux brosser les dents comme ça. Quatrième étape. Natacha Agwangba, je suis chargée de superviser les enfants à l'hôtel depuis leur arrivée jusqu'à leur départ, voir qu'est-ce qui ne va pas, rester avec eux pour les quelques soucis, les réveiller tôt le matin pour qu'ils puissent être à l'heure pour aller à la formation. Donc, en somme, c'est mon rôle. Je suis Augustino Agbimavo, je suis le président de l'association des anciens boursiers du programme YALI et c'est nous qui implémentons le camp pilote du projet Chase Great. Et donc c'est la première édition de ce camp-là qui va démarrer officiellement le lundi 15. Donc aujourd'hui samedi 13 à demain dimanche 14, c'est l'arrivée des participants, des élèves. Nous avons 26 élèves qui viennent de 6 différentes écoles de Bénin, un peu partout. Nous en avons de l'Atlantique, du Borgou, de l'OME, de l'Atlantique. Ils viennent des établissements secondaires. Donc, on a ciblé 6 établissements. Il y a CEG Le Plateau, il y a Pierre Angulaire, il y a Saint-Augustin, il y a à Parakou le lycée Mathieu Bouquet, à l'OME le lycée Béanzin et Père Planck. Et donc, c'est 24 élèves que nous allons former. À 24 élèves auxquels nous allons donner un peu le goût hein, de tout ce qui est métier découlant des STEAM, dans sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Donc voilà un peu, c'est un projet de l'ONG américaine IREX et soutenu par le département d'État américain et l'ambassade des États-Unis. Tu as les répartitions en tête? Ça dit, Pierre Angulaire vient devant Maria Guetta, vient devant la partie de Maria Guetta. Plateau, ils recevront leur école. Oui. Maintenant, Saint-Augustin, Père Planck, ils recevront leur école aussi. C'est la saison d'orientation, c'est ça? Ok. Bon, à part ça, le dîner c'est bon, les volontaires vont rester. Le dîner ça se passe ici. Ici, oui. À 19h20. Sur la terrasse. Comment s'organise pour le petit déjeuner normalement dans les hôtels? En fait, le programme, c'est OK.
le mardi. Il faut se réveiller de telle heure. De temps en temps. On est à OK. Dans sa première édition de ce camp-là, donc ces élèves filles seront formés à tout ce qui touche à l'agriculture, à l'informatique, au métier de l'art et tout. Et voilà, ça se fera à Semin City, à Ita, à l'Institut Serco, un peu partout. J'aurai 5 jours à passer avec les enfants. Donc voilà, donc c'est de lundi jusqu'au vendredi 19 avril 2019. Le vendredi matin, ils doivent partir. Donc déjà, ça fait 6 jours, il me semble.